Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, une lecture générale pour vous, on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos sans hésiter, laissez-moi des commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites en bas de la vidéo, dans la section commentaires. Cliquez sur le deuxième lien, réservé, je suis à vous. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. I am just was giving you a reading for my Libra. Thank you so much for appreciation you have for my Libra. Balance. Les balances, mais c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez ici un choix décisif à faire dans votre vie. C'est peut-être dans votre vie amoureuse, c'est peut-être dans votre carrière personnelle, dans votre vie familiale, dans la relation que vous avez avec vos enfants, etc. On est ici dans une situation où on a aussi une personne qui essaye d'éviter de faire un choix. Ou d'éviter de voir la réalité en face. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous essayez de couper une personne dans votre vie, de votre vie. Vous essayez d'oublier une personne, vous essayez de... Soit c'est vous qui essayez d'oublier une personne, soit c'est quelqu'un qui essaye de vous oublier, d'accord? Donc, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais vous essayez ici de laisser quelque chose s'envoler, laisser quelque chose s'en aller. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous ne voulez plus mettre vraiment vos émotions dans une certaine connexion que vous avez avec quelqu'un qui est proche de vous. Pour d'autres, c'est peut-être ici... les membres de votre famille, encore une fois, pour d'autres, c'est peut-être ici un amoureux ou encore le père ou la mère de vos enfants. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez essayé de vous accrocher pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours à une personne avec qui vous avez des enfants. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui a essayé de, qui essaye de rester dans une relation fraternelle, amicale avec quelqu'un en se disant que bon, on a quand même des enfants ensemble, on a un sang qu'on partage, on ne peut pas réellement couper les liens comme ça. Mais on a ici quelqu'un qui continue d'essayer d'être ami avec une personne ou encore d'essayer d'être proche avec une personne à contre-cœur pour une autre partie d'entre vous. Soit c'est la mère de l'enfant de quelqu'un ou le père de l'enfant de quelqu'un qui vient as well de se rendre compte que voilà, ce partenaire-là que j'espérais voir revenir dans ma vie pour changer la cadence de notre relation, pour changer la cadence de... comment ça s'appelle? Nos émotions, notre amitié. Il y a ici une personne qui attendait toujours le retour de quelqu'un dans sa vie pour essayer de solidifier ou s'excuser. Donc, on a ici quelqu'un qui se dit, bon, you know, parce qu'on a des enfants, je suis sûre qu'on peut retravailler sur notre connexion ou encore parce que j'ai ton enfant. Donc, c'est quelqu'un ici qui a peut-être deux enfants avec une personne ou un enfant avec une personne, je comptais réellement qu'on puisse ici travailler ensemble, être ensemble, pour pouvoir avancer ensemble, peut-être en tant qu'amis, mais en tout cas, j'espérais voir certaines choses changer entre nous. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a redonné as well une chance à la mère ou au père de son enfant. On a ici deux personnes qui sûrement en 2020 se sont remis ensemble pour essayer de reconsolider leur lien familial. On a ici deux personnes qui ont essayé de retravailler quelque chose qui ne marchait pas. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui peut-être essaye de vous manipuler avec les enfants que vous avez ensemble.
Mais ce qui se passe ici, c'est que plus l'un des deux essaye d'ignorer ce qui ne va pas, plus l'un des deux essaye d'être beaucoup plus serviable, beaucoup plus présent dans la vie de l'autre pour essayer de faire avancer la relation dans un certain sens. À la fin, on a ici quelqu'un qui fait naître en lui ou en elle des ressentiments à l'égard de l'autre. Parce qu'on a ici quelqu'un qui met beaucoup plus d'efforts que l'autre ne met d'efforts. D'accord? Puis c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui se sent manipulé. On a ici quelqu'un qui se sent utilisé. On a ici quelqu'un qui a l'impression que son partenaire ne l'écoute pas, que son partenaire ne veut pas l'écouter ou encore n'a plus cet intérêt-là en sa personne. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici le retour d'une ex, le retour d'un ex, père de vos enfants, mère de vos enfants, parce que, again, c'est ici deux personnes qui ont une chair en commun. D'accord? Oui, c'est un parti dans vous. Je vois ici quelqu'un qui risque d'essayer de revenir dans la vie d'une personne en se disant, écoute, toi et moi, on ne s'entend pas, c'est vrai, mais il faut qu'on essaye d'arranger, il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on essaye de voir comment les choses peuvent passer à un autre niveau. Mais à la fin de la journée, on a ici quelqu'un qui va regretter d'être essayé de revenir se réconcilier avec son partenaire. Parce que, pour une certaine partie d'entre vous, on a l'autre qui a déjà commencé à sortir avec une autre femme, sortir avec un autre homme. On a ici quelqu'un qui est en train de passer à autre chose. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a deux options, deux femmes, deux hommes. Sa baby mama et une nouvelle. Son baby daddy est un nouveau. OK? On a ici quelqu'un qui... pour cette partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui sait très bien qu'une relation est toxique pour lui ou pour elle, sa propre santé. Mais on a quelqu'un qui essaye toujours de s'accrocher à ce qui ne va pas. Pourquoi s'accrocher à ce qui ne marche pas? Pourquoi essayer de retravailler sur quelque chose qui ne marche pas? D'accord? Mais on a ici un partenaire qui veut commencer une nouvelle vie avec un nouveau partenaire. Soyez certains partie d'entre vous. Il risque ici d'avoir une conversation très importante entre deux personnes qui partagent leur sang. Il faut qu'on parle. Ça fait déjà plusieurs années qu'on essaye de se rapprocher. Ça fait déjà plusieurs années que j'essaye de me rapprocher de toi. Ça fait déjà plusieurs années que j'essaye d'être beaucoup plus aimable, beaucoup plus douce, beaucoup plus belle. Pour certains, il y a peut-être même une différence d'âge entre deux personnes. Mais on a ici quelqu'un as well qui se rend compte que son partenaire n'est pas attiré physiquement par elle, physiquement par lui. On a ici quelqu'un qui dit, écoute, il faut qu'on parle. Je suis fatiguée de me sentir rejetée. Je suis fatiguée de me sentir ignorée. Je suis fatiguée de ne pas avoir mon mot à dire dans une connexion, dans une relation. Je suis fatiguée de ne pas te sentir impliquée dans ma vie quotidienne, de ne pas te voir. Tu es toujours au travail, tu es toujours ici, tu es toujours là-bas. Est-ce que tu peux au moins porter tes yeux sur moi? Je suis quand même la mère de tes enfants. Je suis quand même le père de tes enfants. Mais pour une certaine partie d'entre vous, en voulant confronter un partenaire, en voulant s'ouvrir à un partenaire, en voulant essayer d'arranger les choses à travers une communication, on a ici quelqu'un qui risque de découvrir une vérité. Une vérité qui va faire mal. Une vérité qui risque de choquer. Une vérité qu'une personne aurait préféré ne pas entendre. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. On a les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Bisous, bye.